Hey, salut à tous les gars, c'est Punkid. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 3 avec comme gameplay une triple nucléaire. Donc j'étais en domination hardcore encore une fois, c'est le mode le plus facile pour faire des gameplays comme ça. Donc choisis la facilité bien évidemment vu que je ne sais pas jouer en mode normal hein. Enfin bref, donc j'étais accompagné de Venom et de Cheka à qui je fais une petite dédicace. Donc j'utilisais la HVK, donc j'avais le chargeur handcap, la poignée ergonomique et la crosse. Donc en atout j'avais gilet, pare-balles, pierre, masse tactique combiné avec écoute. Donc je vous ai déjà présenté cette classe dans ma dernière vidéo, donc je vous la redis quand même, ça peut en intéresser plus d'un. Donc c'est ma quatrième triple nucléaire sur le jeu. Entre temps j'ai fait une triple nucléaire en solo que j'avais fait donc, le jour de Noël, donc le 25 décembre. Donc j'avais fait la triple et je voulais la poster sur ma chaîne après, mais en fait je me suis dit que j'allais la garder pour on va dire pour une bonne occasion. En gros je voulais vous la garder pour les 10 000 à l'heure où je commande, donc on est le samedi, j'ai 9700 abonnés. Vous devriez voir la vidéo le dimanche, donc je pense pas avoir atteint les 10 000 abonnés direct. Donc dans ma dernière vidéo j'avais dit que j'allais faire un dual commentary avec quelqu'un qui pesait gros sur YouTube. Donc de base je parlais de croque madame hein, donc dans les que j'aurais mieux fait de dire avec qui je voulais faire ça dans la vidéo direct, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ah ouais je suis sûr que c'est Gotaga, d'autres qui m'ont dit ah non c'est Zider, d'autres qui m'ont dit ah ça doit probablement être Nani, etc. Enfin ils ont pas que ça à faire les gens de commenter avec quelqu'un qui a même pas 10 000 abonnés. Donc ça devait être avec Croque Madame, pour ceux qui se souviennent de lui sur Black Ops 2, c'était un mec qui faisait de la perf et qui a 60 000 abonnés il me semble, même s'il a été inactif sur YouTube pendant un an ou deux. Donc là il est revenu sur Black Ops 3. D'ailleurs comme Xenon, hein, Xenon pour ceux qui s'en rappellent, il avait 100 000 abonnés sur Black Ops 2, ils étaient un peu dans la même équipe, dans la même équipe YouTube entre guillemets. Donc ils sont revenus tous les deux, donc voilà. Je m'éloigne un peu du sujet là. Donc du coup, Croque Madame va upload ma triple nucléaire en solo sur sa chaîne. On n'arrive pas à faire le dual parce qu'en fait dès que je peux commenter il est pas disponible, dès qu'il peut commenter je suis pas disponible, etc. Donc ça marche dans les deux sens. Du coup ce qu'il fait c'est qu'il va la commenter en solo sur sa chaîne, donc il va me faire un petit peu de pub, donc j'espère que ça va me faire regagner un petit peu d'abonnés. Donc si vous venez de sa chaîne déjà je vous en remercie vraiment. Donc comme je l'ai dit on approche des 10 000, donc c'est vraiment hyper cool. Ensuite donc je vais vous parler de vite fait de trois choses. J'avais dit il y a peut-être un mois que j'allais essayer de me concentrer sur l'aspect compétitif du jeu, donc en gros en déserto. Là cette semaine c'est ce que j'ai fait, donc j'ai quasiment pas joué en mode public, j'ai fait quasiment que des scrims, etc. Même si bon du coup avec la période des cours etc c'est un petit peu dur de jouer en semaine, mais bon on essaie de faire avec. Du coup ce qui fait que j'ai presque plus de gameplay, donc j'ai dit déjà j'avais encore la triple en solo, après j'ai plein de doubles nucléaires à vous poster, donc ça c'est pas le problème. J'ai aussi un 145 kills, donc celui-là je vous le posterai, 145 kills en domination en eau létale. Donc le gameplay est vraiment sympa. Donc en fait, sur ma chaîne, donc, vous avez vu, j'ai déjà mis des triples nucléaires, etc. Du coup, ça fait que si je commence à vous poster des doubles nucléaires, j'ai peur en fait que, on va dire que ma chaîne perde son intérêt. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes abonné pour avoir des gros gameplays. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai fait. Sauf que comme je viens de le dire, je vais presque plus jouer en partie publique, donc je vais faire quoi du privé, etc. Des streams, etc. Du coup, j'ai pas trop envie de vous poster des gameplays compétitifs parce que vous êtes abonné à ma chaîne pour voir des gros gameplays en public, etc. Donc du coup, bah, bien évidemment, au bout d'un moment, j'en aurai plus. Donc je vais devoir, on va dire, régresser au niveau des gameplays. Donc si je commence à vous poster des doubles nucléaires, etc., même si elles sont en solo ou qu'elles sont jolies, bah, ça va perdre son intérêt étant donné que vous avez vu des triples nucléaires. Déjà, il y a des gens qui me demandent des quads, donc je sais même plus si des triples nucléaires, ça impressionne les gens maintenant. Donc si je passe de triple nucléaire à double, ça va sûrement pas vous plaire. Du coup, bah, on va dire que j'ai un petit peu peur de l'avenir de ma chaîne, et que j'ai un petit peu peur qu'elle coule. Bon, même si après, il y aura toujours du monde qui va regarder, etc. En fait, là, ce que j'ai peur, c'est que là, par vidéo, je fais 5000 vues pour 9000 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Il y a plus d'un abonné sur deux qui est actif. Je suis une des seules chaînes performantes que... Une des seules, je suis quasiment la seule en fait à faire ça. Donc c'est vraiment hyper cool, je vous en remercie vraiment. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme Raiden. Donc Raiden, pour ceux qui s'en souviennent, on avait un roster sur One, sur AW à l'époque. Donc lui sur sa chaîne, ce qu'il fait, c'est qu'il propose des lives sur Skype, etc. Donc il est dans la même équipe que Xenon, Grony, etc. Donc on va dire qu'il est bien accompagné, ce petit salaud. Et du coup, si vous regardez la chaîne de Grony, vous le connaissez déjà probablement, parce que comme Grony fait un peu le même type de vidéo que lui, il fait des vidéos en live, etc. Ils sont toujours ensemble. Du coup,
Ça fait qu'il lui fait un peu de plus. Enfin, je suis en train de me perdre dans mes mots là, je suis en train de raconter complètement de la merde, je vais arrêter tout de suite. Donc on va revenir à Raiden, donc il vous propose sur sa chaîne des doubles nucléaires, des nucléaires en solo, voilà, comme ça en live. Et bah je regarde les commentaires, etc. Ça plaît beaucoup à ses abonnés, du coup je me suis dit peut-être que moi je pourrais essayer de faire la même chose. Comme ça moi on va dire que ça me sauverait entre guillemets ma chaîne. Parce que comme j'aurais pu beaucoup de temps pour jouer, faire des très gros gameplay, donc des trips, etc. Ce que je peux vous faire c'est lancer une petite partie en public. Faire une nucléaire en solo, hop, la rec, la mettre sur YouTube, etc. Ou alors la faire en groupe comme ça. Sauf que comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, donc je rec avec le PS4 et je n'arrive pas à avoir le son donc audio de la partie, puis ma voix en même temps. Donc vous m'avez tous dit qu'il fallait cocher un truc dans les options, etc. Je suis pas débile les gars, je l'avais déjà fait. Donc en fait la solution à mon problème c'est qu'il faut que je stream en même temps, puis que j'appuie sur share pour qu'on ait l'audio de la partie. Le problème c'est que moi je n'ai pas du tout la connexion pour stream. On va dire que je mets une nuit environ pour uploader une vidéo. Donc j'ai pas... Si je stream ça sera en 244p et encore, enfin 240p, donc ça va même pas être fluide et tout pour moi, ça sera horrible. Donc du coup je vais essayer de vous trouver une petite solution de vrai sur Skype ou TeamSpeak, puis après c'est de synchroniser les deux, puis vous le mettre sur ma chaîne avec une petite musique en fond. Donc c'est sûrement ce que je vais vous faire d'ici les prochains jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo va bientôt toucher à sa fin, donc si t'es resté jusqu'à la fin de ce commentaire, mets hashtag triple nucléaire V3. On va essayer de viser les 650 likes. Donc je sais plus si je l'avais dit aussi, mais dans le gameplay j'étais avec Shige et Venom. Donc je leur fais une petite dédicace hein, quand même, j'allais les oublier. Donc voilà, sur ce c'était Punkill. Salut à tous. The doors that you opened, I held out my heart.